Bonjour. J'ai un message pour vous et puis je vais voir ce qu'ils ont à dire, on va dire comme ça. Donc, je vais très bien ce matin. Pour ceux qui veulent demander, j'ai bien dormi. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit. De mes ancêtres. Demande leur présence, leur assistance. Je demande la présence de vos ancêtres aussi. Ok. Donc, le moment où vous aurez le plus de problèmes dans votre vie, c'est quand tout va bien. Et le Seigneur me montre en fait que c'est quand tu penses que tout va bien dans ta vie que tu dois le plus faire attention. Parce que premièrement, là où tu es actuellement, ce n'est même pas là où tu es, ce n'est pas ton sommet là-bas. Et beaucoup d'entre vous, supposons, tu arrives à un niveau où tu viens de te marier, tu as obtenu un boulot, vous avez une maison où vous arrivez à payer le loyer mensuellement. On va dire que tout va bien. Du coup, tu ne. Voilà, il y a les jours où tu ne fais plus tes lavages. Tu es plus comment tu dis, ah, là, Jocelyne, là, je regarde même plus cette direct. Il y a tout ce que je voulais, non. Voilà, tu chilles un peu. Tu es dans un endroit très dangereux. Tu comprends? Tu es dans un lieu très dangereux. C'est. Le bain de pipi, là, tu ne fais même plus. Et que tu fais encore le bain de pipi. C'était en mai que tu faisais ça, non? Mai, juin, quand tu étais là, ouais. Ok. La Bible dit que. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Le diable est comme un lion qui rugit et qui cherche qui va dévorer. J'ai ma meilleure amie qui m'a. Bon, ça fait au moins 5 ans qu'on ne s'est pas vu physiquement. Hein. Tu vas voir les meilleurs amis qu'on n'a pas encore vus. On ne voit pas beaucoup depuis longtemps. Donc, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Et. Hier, elle me fait. Ça faisait au moins un mois qu'on n'avait pas pris de nouvelles. Elle me dit. Elle a été amèrement trahie par une femme qu'elle considérait comme sa sœur. Et cette sœur, entre guillemets, a commencé à coucher avec son mari. C'était le genre de sœur que elle avait rencontré à l'église. La fille venait d'arriver dans le pays. Elle n'avait personne, elle ne connaissait personne dans la ville. Ma copine là, elle est en Angleterre. Donc du coup, voilà, elle a pris sous son aile. Elle a hébergé pendant des mois. Après, elle a cherché même une autre amie qui avait besoin de. Enfin, chez qui elle a fait passer, elle a hébergé celle-là. Enfin, cette amie-là a hébergé la femme Judas là. Pendant des mois aussi, elle a encouragé, dès qu'elle a eu ses papiers, elle a trouvé sa maison. Après, elle a dit, voilà, maintenant, prochaine étape, fais venir ton mari, tout ça. Elle m'a accouché son deuxième enfant et c'est ma copine qui tenait sa main quand la femme poussait. Et donc la dame avait remarqué que, parce qu'elle m'avait dit depuis déjà un an et demi, parce que c'est pour son mariage, on avait trop failli à les prières sur l'homme-là. Moi, son mari tenait. On a trop failli à les prier sur son mari. Donc, du coup, depuis un an et demi, elle me disait que ça va. Un an, ça va. 6 mois, elle dit non, ça va, tu sais. Ah, mon chéri, ça va, ça va. Donc, on peut dire qu'on a baissé la garde. Même en janvier, si là, quand on fait, je dis non, 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 ça va. Ok. Hier, elle me disait, maman, tu sais pas ce qu'elle a découvert. Oh. Depuis quelques temps déjà, elle dit que le comportement du monsieur était bizarre. Elle n'avait pas à mettre le doigt sur ce qui se passait. Mais elle savait que
Il est devenu bizarre avec elle. Je dirais même à la limite méchant. Elle n'avait pas à croire que c'est toi qui me. À la limite, tu me dorlotais, tu me portais même comme une reine. Après, tu restes à la maison. Quand elle fait les shifts, elle finit tard. Elle arrive à la maison, qu'il a nettoyé la maison. Il a mis des haves, de nos petits déjeuners aux enfants. Il était quand même avec deux, trois trucs. Mais à moi, il s'est retourné carrément. Et elle ne comprenait pas que c'est la femme qui vient tout le temps chez elle. Que, oh, ah, ma soeur, ma sister. Donc, quand tout va bien, c'est bien. Mais tu dois avoir des routines. Comme les trucs comme je jeûne, c'est là. Peut-être dit que une fois par semaine, dans mon temps de sang, je jeûne. Tous les, je sais pas, tous les quoi, je sais pas. Trouvez vos routines. Trouvez vos routines. Bain de pipi, peut-être une fois par semaine. Offrande, peut-être à zone orphelinat pour la stabilité, santé, prospérité de ma maison. Offrande à l'orphelinat. Une fois aussi par mois, par exemple. Voilà la rentrée. On a lancé un programme de parrainage, peut-être pour l'orphelinat, cœur de Jésus. Prends un enfant, tu le parraines. Avant, quand vous étiez dans le noir, et personne n'avait jamais prié pour vous, personne n'avait jamais rien fait pour vous, vous avez beaucoup de souffrance. Dans des chats, je ne vois pas les commentaires. Les commentaires ne les affichent pas. Hein. Donc tout ce que vous avez dit depuis, je ne vois pas. Bon, je suppose que ça va venir tout à l'heure. Vous devez avoir une certaine routine qui vous permet de ne pas avoir des surprises. Donc, quand quelque chose vient là, ça va te secouer. Et j'ai jeûné hier. Donc, parce que les routines spirituelles fortifient ton esprit. Ça fait même que tu restes comme ça. Dans la journée, quelqu'un vient te dire, oh, ça va pas marcher. Pourquoi? Tu dis, ça va marcher. J'ai fait mes déclarations ce matin avec le don. Tu parles de quoi? J'ai fait mon lavage de sel hier soir avant de dormir. Satan, tu viens m'attaquer dans le rêve. Tu as menti. Donc, tu es prêt. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu es prêt. J'appelle ça être prêt. On monte, on descend parce que les problèmes viendront. Tu auras des attaques. Celui qui pense qu'il n'aura pas des attaques, je crois qu'il n'est peut-être pas sur la planète Terre. Tu auras des trucs qui vont faire ça, vous n'avez pas marché dans ta maison. On va te dire que telle chose est gâtée. On va te dire que telle personne a dit ceci de toi. Telle personne m'a dit qu'il va te donner, va vouloir t'escroquer. Il y aura des imprévus. Ok? À un moment, et je disais encore hier à quelqu'un que il y a même encore une autre arme. Vous voyez, quand Pierre a dit tout ce qui est pur, tout ce qui est acceptable, que ça fasse l'objet de vos pensées. Parce que Pierre connaissait que souvent tu vas rester comme ça, même dans ta tête, l'ennemi va venir t'attaquer. Enlève toute mauvaise onde que vous avez autour de vous. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Aucun œil maléfique ne va vous atteindre. On a quelques exemplaires de ces bras, de cette X-là. Quelques seulement, c'est pas beaucoup. Donc, ce sera le premier venu, premier servi. Parfois, je vous dis que spirituellement, c'est possible d'atteindre un niveau où, quand tu es attaqué, tu sais. Avant qu'une bénédiction ne vienne, tu sais, tu te lèves le matin, tu fais, j'essaie de faire quelque chose de bien à Marie-Lou aujourd'hui, tu sais en toi, tu peux sentir quand l'argent vient.
Tu peux aussi sentir quand il y a une attaque. Parce que quand il y a une attaque, peut-être tu vas te prier deux fois plus. Au lieu de jeûner une fois, tu vas peut-être jeûner trois fois. Au lieu de faire un seul don, tu vas peut-être aller faire quatre dons. Quand vous ne connaissiez rien et on ne faisait rien pour vous, personne n'avait jamais élevé la voix ou l'esprit. Parce que quand tu fais un travail spirituel, c'est un peu comme si... Ok, on vous attaque par travail spirituel. Voilà, c'est ce que l'esprit me dit de vous dire. On vous attaque par travail spirituel. Et dans vous-même, vous vous défendez par travail spirituel. Et quand vous, supposons vous tombez sur ma page, vous avez déjà accumulé tellement d'attaques. C'est-à-dire, vous ne connaissiez pas. Tu essayais de survivre comme tu peux. Tu essayais du mieux que tu pouvais. You were trying to survive. Parce que ta mère n'avait rien fait. Ton père lui-même, élan, on t'avait laissé comme ça. Donc toutes les mauvaises paroles qu'on avait dit sur toi, au quartier ou tes ex ou même tes amis qui sont partis pratiquer sur toi, tes cochambriers qui sont allés pour prendre ta chance, ou les colocataires, il y a tellement de... En fait, dans la fête, si on ne connaît pas qui est qui. Donc, quand tu commences à t'éveiller, parce que j'ai beaucoup de personnes sur ma page. Je parle avec un homme, monsieur, il est à Maryland. Il est au Maryland. Je ne sais pas pourquoi tous les Camerounais sont au Maryland. Vous faites quoi au Maryland en fait? Il n'y a pas le Texas, Washington. Vous faites quoi? Pourquoi c'est seulement Maryland? Ok. Anyway. Il me dit donc que sa mère, c'est une. Ouais, ma mère est chrétienne, non. Ma mère, elle prie seulement. Tu le vois mignon. Il est censé être très long depuis longtemps. Il dit, ça ne t'inquiète pas. Il dit, non, c'est vrai, j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Moi, vraiment, j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Il donne mon contact à la mère, il montre ma page à la mère. La mère dit, je n'ai pas le crédit pour regarder les vidéos. Il dit à la mère que prends la réserve et la consultation, tu peux faire. Elle dit, non, c'est trop cher. Non, c'est trop cher, ouais. Elle a déjà resté dans son église. Je le vois, donc je dis que regarde-toi, t'as fait combien? Ça fait 5 ans que tu en as, que tu es aux États-Unis. Tu es rabaissé encore à vivre chez ton ami. Alors que tu as des diplômes, hein. Tu as des diplômes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Il dit que non, lui-même, il a commencé à comprendre. Il a commencé à comprendre. La femme ne vient pas. Le boulot même... Tu te comprends pas ce qui se passe. Tu perds même ta maison parce que tu te retrouves encore chez quelqu'un. Tu dois encore te faufiler comme ça le matin pour sortir, pas dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai fait un TikTok hier où j'ai dit ne comptez pas sur vos parents pour faire le travail. Oubliez. Oubliez. Souvent ta mère va me venir dire que dis-moi ce que tu fais. Tu utilises quoi? Christelle Luce. Luce, ça va toi? Comment va ta fille, ton bébé là? Tu vois ta photo ici sur les gens qui sont connectés. Ton petit bébé là, ton petit bébé très 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 intelligente. Il faut au moins 6 mois, tu n'es pas venu me voir. Pourquoi? Je sais que parfois vous attendez que vos maris ou vos femmes fassent le travail pour vous. Parfois, vous attendez même qu'il donne l'argent. Oh, il n'a pas donné l'argent pour qu'il fasse le travail. Moi, il ne fait pas moi. Il y a les femmes qui partent, elles sortent l'argent, elles font le travail. Tant que tu ne comprends pas l'importance de ce que tu veux faire, et que c'est chacun qui ressent dans soi-même. Parfois, tu te regardes. On t'avait poussé. Va étudier, étudier. Tu as le bac. Yeah, j'ai eu le bac. On dit, ouais. On ne donne pas l'argent du bac. Après, tu restes encore. J'ai eu la licence. Oui, on ne donne pas l'argent de la licence. Voilà, j'ai fait le master. Ok, on ne donne pas l'argent du master. À un moment, la tombe, je ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas les diplômes qui vont te donner l'argent. Deuxièmement, les gens de ta famille, soit ils veulent te noyer, soit ils s'en foutent de toi. Je pense plutôt qu'ils sont trop égoïstes pour penser réellement à toi.
Donc, tu dois arriver à un niveau où tu comprends que tu es ton propre sauveur. Comme Jésus est venu, il est mort derrière, il est parti là. Il est ressuscité, il est parti. Ce n'est qu'à toi de chercher. Parce que même Jésus ne va plus encore descendre pour toi. Jésus a déjà fait ce qu'il devait faire, il a laissé. C'est maintenant à toi de comprendre et d'utiliser. Je ne vois toujours pas vos commentaires. Votre téléphone est dans la chambre là-bas. Je ne vais pas le chercher. On va laisser comme ça. Souvent Facebook fait comme ça. Après les commentaires viennent seuls. Et beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous passez trop de temps à parler, à dire vos choses aux gens. Vous êtes tombé sur ma page. Vous allez demander l'aval de. Oh, je vais d'abord envoyer à ma tante. Je vais d'abord envoyer à ma ceci. Et souvent, les gens à qui vous demandez l'aval comme ça, là, sans le savoir, ils ont quelque chose à voir avec votre échec. Ils ont quelque chose à voir. Donc, vous devez être très vigilant. Dans un temps, je regarde les commentaires sur ce téléphone. Bonjour la reine Henriette. Tant que vous n'identifiez pas ce qu'il y a dans votre vie, que vous voulez changer, vous allez aussi rester en statu quo. C'est-à-dire, voilà,
Je dois même m'estimer heureuse que ceci soit comme ça, là, que j'ai ceci ou bien ça. Alors que Dieu veut te donner encore plus. Donc ça, c'est aussi une des choses. Je n'aime pas le statu quo. Donc, si je reste comme ça et je vois que depuis une semaine, tout est statique dans ma vie. Non. Donc, merci tout thème, Guipi. Bonjour la reine Armel. Ça c'est peut-être dimanche. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous battez pas l'église. Bon, c'est votre choix. Vous devez beaucoup prenez du temps pour méditer. Prenez du temps pour écoutez ce que l'esprit vous dit. On ne s'affole plus dans le spirituel quand on commence à grandir. Avant, tu passais le temps à faire 5 heures de prière. Aujourd'hui, les astuces sont sur ma page YouTube. Hein. Allez sur YouTube et TikTok, il y a plein d'astuces là-bas. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir, tu te connectes à l'esprit, tu peux sentir. Quand tu es sous attaque, tu peux sentir. Si tu es connecté, tu peux sentir. Quand il y a quelque chose de bien qui va venir, tu peux sentir. Votre connexion est plus importante que tout. Votre connexion. Donc, privilégiez cette connexion-là. Privilégiez votre travail spirituel. Et faites votre travail spirituel coûte que coûte. Parce que j'ai aussi des gens qui me disent, ouais, je vis chez quelqu'un. Peu importe ta situation. Trouve un moyen. Je suis au centre. Je dors mon lit en bas, l'autre lit de l'autre en haut. Je fais comment? Quand tu parles à la douche, ici, on te voit. Sur TikTok, l'autre jour, je vous ai parlé de l'astuce de la bouteille. Mets tes choses dans la bouteille. Tu te laves. Quand tu finis de te laver. Quand ton eau salée qui est dans la bouteille, là, tu verses sur ta tête, tu parles. Tu peux me mettre sur le gant. Tu mets sur ton corps comme ça, là, tu parles. Ne vous donnez pas des excuses. Je sais que vous avez beaucoup d'excuses. Soyez des hommes et des femmes d'action. Donc, j'ai précisé tout à l'heure, je n'ai pas fini cette partie-là, ils sont tellement rappelés. Quand tu commences ton travail spirituel, supposons qu'on n'avait jamais rien fait sur toi. Maintenant, tu commences. Quand tu commences, c'est un peu comme si la maison était sale, on n'a jamais nettoyé la maison. Tu entres, tu nettoies la cuisine. Voilà peut-être une offrande que tu allais faire. Tu nettoies le plafond de la cuisine. Voilà ton lavage au sel que tu fais. Après, tu arrives au salon, tu nettoies les fenêtres. Voilà peut-être tu allais lancer la poule au village. Donc, il y a des choses que tu vas faire progressivement qui vont te nettoyer. Et n'oublie pas aussi que pendant que tu nettoies, il y a des gens qui vont t'en commettre. C'est un peu comme la maison que tu ne nettoies jamais, voilà. Tu nettoies la maison là, de fond en comble. 2 jours plus tard, la poussière sera entrée, peu importe comment, même si la maison est fermée hermétiquement. Je ne sais pas d'où la poussière va sortir, mais ça va venir. Donc, ça fait partie des lois de la nature. Ça va venir. Ça va venir. Et quand tu comprends cela, tu deviens comme un guerrier, un soldat,
quelqu'un qui ne se fatigue pas, quelqu'un qui est toujours en action, quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire mon. Eugénie. Je dis que voilà la rentrée scolaire. Je vais encore lancer le lavage. Je crois que. On est grand. Ah, mais je peux faire une promotion pour les enfants encore. J'en avais fait une en juillet, si vous vous rappelez. Bien début août. Parce que vos enfants ont besoin de lavage. Vos enfants ont besoin de lavage. Deuxièmement, il y a les kits qu'on avait faits pendant qu'il y avait les examens. Il y a eu beaucoup de témoignages sur les kits d'examen. Même mon propre enfant a passé l'examen. J'avais un enfant qui faisait l'examen cette année. Et je crois qu'on va faire un service pour les enfants. Première semaine de septembre. Attendez, on est quand? On va faire un service pour les enfants. Parce que je sais que vous négligez beaucoup les trucs comme ça. Vous achetez tout ce qu'il faut pour l'école, mais vous oubliez la partie spirituelle. Attendez, je vais regarder les dates. Mon calendrier dans ce téléphone. Je trouve pas de calendrier là-bas. I put my hands around, show you how strong I am. I'm unstoppable. I'm a pusher with no brains. Wow. Le premier, c'est jusqu'au. Le premier, c'est dans. Une semaine. Une semaine et 3 jours. Donc, on va faire. Je vais lancer la promo pour le lavage des enfants. Je crois que ça va s'étendre sur 2 semaines. Ouais. Il faut qu'on fasse ça. Parce que si j'ai fait 1 semaine. Bon, on va commencer du 22 au 4. Donc, je vais informer mon staff de cela. Du 22 au 4. Donc, de lundi demain jusqu'au 4 septembre. Donc normalement, le lavage des enfants, c'est... Normalement, le lavage des enfants, c'est 33 800. Je ne sais pas s'il faut que je fasse un package. Parce que... Il n'y a pas que le lavage dont vos enfants ont besoin. Merci. Tokem Gepi, merci. Je sais que je ne me suis pas appelée moi-même, donc quand il y a de l'adversité, je leur dis seulement que bon, voilà, c'est vous. Hein, ben, mais c'est un peu comme un État qui envoie un espion quelque part. Ils ont intérêt à te maintenir, à te garder en sécurité. Donc, j'ai toujours la paix par rapport à ça. Je suis en paix. Bon. Le lavage des enfants, je vais voir si on ne peut pas donner aussi un kit. Bon, si vous voulez lavage enfant, vous dites lavage enfant. Si vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on fera à 15 000 par enfant. Maintenant, si vous avez 4 en montant, ce sera 10 000 par enfant. Écoutez bien. Maintenant, on a un kit examen. Je crois qu'il est à 20 000. Donc, on va le mettre en promo. Je vais voir avec mon staff si on peut le mettre, si on peut mettre le kit examen
Le kit examen, même si l'enfant n'a pas d'examen cette année, tu peux l'utiliser sur lui, hein. Donc, on peut réduire ça à combien? On va dire 15 000. Ouais. Donc, lavage de 1 à 3 enfants, c'est 15 000 par enfant. Maintenant, de 4 jusqu'à... C'est les gens qui ont 5 enfants, hein. Donc, on va dire comme ça. Donc, on m'a dit de maintenant jusqu'au... Et quand je dis enfant, je vous précise. Une dame est venue l'autre jour avec un enfant de 25 ans. Elle a dit qu'elle veut... J'ai dit que je veux pas... Ne m'énervez même pas. Si ton enfant a plus de 18 ans, je ne lave pas. C'est pas un enfant. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Donc, soyons logiques dans nos choses. Tu peux m'amener un monsieur de 30 ans, tu me dis que voilà mon enfant. Ça n'a pas de sens. Ok, si on s'est compris, c'est bon. Bonjour, le roi Franck. Vous ne laissez pas les likes sur ma vidéo, pourquoi? Hein? Vous êtes dans mon direct depuis au moins 20 minutes. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Yay! Yay! Yay, mais c'est quoi ça? Vous devez apprendre à supporter les gens. Quand tu vois quelqu'un faire que je supporte le projet de la personne, ça ne t'apporte rien de ne pas supporter la personne. Vous savez, vous faites vos trucs, les gens ne regardent pas parce que vous ne supportez pas les gens aussi. Tu fais tes vidéos, on ne te calcule pas parce que tu ne peux pas arriver sur les vidéos de quelqu'un que tu likes. C'est pas bien. No good. Ruth, tu as vu un problème dans mon œil gauche. Ne venez pas faire le wish sur moi. J'ai pas de problème. Mes yeux ne sont pas là, mon nom pas là, ne s'ouvrent pas de la même façon. Si vous regardez bien, vous voyez. Mes yeux ne s'ouvrent pas de la même façon. J'ai un œil qui s'ouvre qui est plus grand que l'autre. C'est tout. Et c'est l'œil, c'est l'œil droit. Donc, ne venez pas avec votre wish sur moi, ici là. Si vous avez de 1 à 3 enfants, c'est 15 000 par enfant. À partir de 4, oui, c'est 10 000. Et je n'y dis rien. Tu parles des yeux d'une sorcière. Je veux que tu expliques, te parler de mes yeux. Il te parle de mes yeux. Tu as commencé par les débats qu'on n'avait pas finis. Et vous dis-moi. Vous commencez même par les débats qu'on n'avait pas finis. Bon. La promotion, je vois l'une de mes secrétaires qui est dans le direct. Donc, je pense qu'ils vont envoyer l'information entre eux. Une lumière a jailli, mais ce n'est pas. Je sais que vous aimez toujours voir les problèmes partout. Je connais mes yeux, je connais mes yeux. Ne parlez même pas, je ne peux pas vous expliquer. Mais celui qui a vu, c'est bien. Si quelqu'un a vu, ça veut dire que si tu as vu, c'est bien pour toi. Tu as compris? Je connais mes yeux. Laissez mes yeux. Rose Ngo, tu as les lavages à faire pour le mari de nuit. J'ai une astuce pour chasser le mari de nuit. Tu as besoin de lavage. Il faut briser l'alliance parce que quand tu as mari de nuit, ça veut dire que vous êtes mis ensemble. Rue, tu rêves de moi tout le temps, non? C'est bien, non? Tu veux que je te dise quoi? Vous dites souvent que vous bêtisez, non? J'ai une femme qui vient sur ma page une fois. Elle prend le numéro et contacte une de mes représentantes. La représentante lui dit que je suis trop cher. Comment on dit que la sorcellerie, là, hop. Elle dit non, elle est trop chère, je vais envoyer chez quelqu'un d'autre. Alors que je l'ai mis sur ma page comme représentante. Vous voyez le degré de confiance. Là, voilà, maintenant, elle envoie chez d'autres femmes. Non, elle part. Elle fait ce qu'elle a fait. Dans la nuit, elle rêve, c'est tout moi qu'elle voit dans ses rêves.
Peut-être vous croyez que. Le truc, c'est que vous pensez toujours que tout est. Vous me voyez si simple comme ça là. Vous aimez que je vienne devant vous avec les. Je connais mon grade spirituel. Je connais ce que je suis appelé à faire. Même ceux qui m'attaquent là, ne vous inquiétez pas. On dit déjà avec vous. Vous avez suivi. Vous avez suivi, non? Voilà. Et comme l'autre a chanté, il dit que ce qui est pour toi restera pour toi. Si quelque chose n'est pas pour toi, ça va partir seul. Je sais que je ne suis même pas appelé à parler avec tout le monde. Il y en a parmi vous dès qu'on programme la consultation là. Il y a une que j'ai appelée un jour, dès qu'elle a décroché, bam, une urgence est venue devant moi, là, tac, j'ai raccroché. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas parlé. Pas vous dire le nombre de personnes. Souvent, vous planifiez vos choses. L'autre jour, l'autre est venu à Douala là-bas pour m'attaquer. Même si vous partez quelque part pour m'attaquer, je vous dis, je vous préviens, pourtant vous mettez sur vous. Je travaille sur toi. Un moment où ça passe comment dans ta tête, oh. Tu crois que, ok, écoutez, la simplicité ne veut pas dire l'idiotie. C'est juste que je n'ai pas le temps pour vous impressionner. Je ne sais pas que ça fait. Avec sa bête, je dors, je pars, je fais, je pars, je voyage, je passe une île quelque part. Je n'ai pas le temps pour vous impressionner. I don't have the time. Donc quand vous arrivez sur ma page, écoutez, vous n'allez jamais me trouver. I am not there. Je ne vais pas vous impressionner. Je ne vais pas vous satisfaire avec ça. Donc, à un certain moment, elle a trouvé qu'elle était assez. Je ne sais même pas qui est entré dans la tête de l'enfant là. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On fait très attention quand vous venez, ma reine, ma reine. Après, tu te lèves, tu pars, tu dis que tu vas faire quelque chose contre moi. C'est un peu comme si tu te retournais contre. Non, laissez le degré. Vous savez que c'est mes secrétaires, c'est mes qui, vous-même, vous connaissez que. Quand il va me déplacer, je me lève comme ça un matin, on me dit que tu voyages demain. Ça m'est arrivé, non? Donc voilà, elle savait que j'étais au Cameroun. Je reste, elle m'appelle. Bonjour, tu es là? Je suis chez toi. Ouais, Seigneur. Elle ne sait pas comment elle montrait sa venue il y a 2 jours avant. Ici chez toi. Dès qu'elle est arrivée, mon fils qui est là-bas d'abord a senti que. J'appelle mon fils, il dit que telle personne dit qu'elle est dehors. Il dit oui, je l'ai vu venir même. Sans que lui dise-moi quelque chose. Elle. Il dit que l'esprit avec lequel elle est venue là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand elle m'appelle, je lui dis que attends. Je vais envoyer qu'on vienne dehors donc te chercher. C'est pas moi qui vais te recevoir. 5 minutes plus tard, elle est partie. Donc dès que j'ai parlé avec comme ça, là, elle s'est levée, elle fuit. Vous allez venir chercher votre feu derrière moi. Je vous dis. Vous allez porter la malédiction pour vos enfants et les petits-enfants de vos enfants. L'hypocrisie. Tiens, où? On fait les lavages des grandes personnes. Oui. On fait les lavages des grandes personnes. Comment ça va? Et je peux vous dire que j'ai senti quand l'esprit là est entré. Écoutez, hein? J'ai souvent médité que, mais Jésus, pourquoi tu as pris Judas? Est-ce que vous imaginez que Judas était le comptable de Jésus? Ça veut dire que quand ils avaient une offrande, ils allaient faire un orphelinat. Judas, Judas, oui, il y a combien en caisse? Jésus ne partait pas vérifier. Bon, Judas, il faut qu'on achète le diable, il faut qu'on prenne 2 jets privés parce que tu vois, le staff a un peu augmenté. Donc, sur 3 millions, tu payes les 2 jets là, voilà. Tu loues ça pour 2 jours. Ok, il y a combien dans l'eau, la caisse aujourd'hui? Bon, Jésus, il y a eu 53 millions 500.
5 000. Voilà. Ok, voilà, pas de souci. Va garder dans le compte bancaire. Vous pensez vraiment que Jésus ne connaissait pas Judas? Hein? Ah, son fils m'a suivi depuis 12 ans. Ok. C'est aussi un truc de générationnel. Moi, je vous ai parlé de la masturbation hier. C'est pas quand ton enfant en est victime, c'est on est passé par toi pour atteindre l'enfant. Bon. Oh, 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 oh. Les Béninois sont arrivés. Bonjour les Béninois. Bonjour les Béninois. Oh, 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 oh. Vous vous versez dans mon direct comme ça là, pourquoi? Et les Béninois, les Béninois. Oh. Chaque Judas, et je vous ai parlé de ma copine, de ma meilleure amie qui a cette soeur, entre guillemets, qui couchait avec son mari. Une fille que tu prends sous ton aile depuis 6 ans. Tu la guides, comme elle vient d'arriver dans un pays, tu la guides, fais comme ça, tu trouves le boulot, tu trouves la maison. Après, tu te rends compte qu'elle couchait avec ton mari. Ils vont te manquer de respect bizarre devant les gens. Parfois, hein, il y a même les Judas que vous allez aider. C'est pour que ça rentre dans votre compte bancaire spirituel. Que j'avais aidé 2 personnes là-bas. Ils sont devenus Judas après, mais ne vous inquiétez pas. Je les ai aidés. Oui. Et vous voyez, quand les gens là font ça, quand un proche veut t'atteindre, il connaît, il te connaît. Quand ma copine m'a dit que même m'a parlé de cette tromperie-là, je dis qu'elle n'a même pas peur. Parce que ma copine là, c'est une fire girl. Spirituellement, elle a le même grade que moi là. Seulement qu'elle est pas, elle est femme au foyer. Pendant le corona, seulement ça dîme. Elle était dans un service avec 21 patients. Tous ses collègues avaient le corona. Les 4 patients avaient le corona. Elle n'a pas eu le corona. Le genre de femme qui peut rester comme ça là. Ah, mais ça part de témoignage. Souvent, tu donnes un témoignage comme ça. Tu as froid dans le dos. Tu te dis, que c'est quoi comme ça là? Et ça manque. Prayer and fasting. Quand elle te faille à la prière, mof. J'ai dit que, mais, donc là, ta soeur n'a pas eu peur de toi. Elle entend souvent comment tu donnes tes témoignages. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur du feu. Et vous savez comment on découvre ça? La petite soeur biologique, même père, même mère de ma copine là, qui est dans son pays en Sierra Leone. Elle fait jeûne et prière, elle part chez une prophétesse là. Voilà, ils sont en train de faire les séances de prière. Voilà. Après, la prophétesse arrive sur elle. Comment va ta soeur? Ma soeur va bien, pourquoi? On est en train de jeûner pour mon canon. Comment tu me dis que ma soeur? Non, comment va ta soeur? Oui, ta soeur qui est en Europe là, oui. Elle dit, tout va bien. Si vous m'avez écrit sur WhatsApp, je vais regarder plus tard, ok? Tout comme Gepi, qui a l'esprit de mort, que tu dois l'aider. Si la personne vient à moi, par la grâce du Seigneur et des ancêtres, je vais l'aider. Parfois, les gens viennent à toi, ils n'ont pas le bon esprit. Ils sont pas assez humbles pour savoir que tu vas les aider. Voilà. C'est la prophétesse qui lui dit que... Elle dit que la prophétesse prononce le nom de la fille qui couchait avec le mari de ma copine en Angleterre. Elle dit que telle personne, c'est qui pour elle? La soeur dit que mais c'est, elle est comme une soeur pour elle là-bas, tu vois. Elle a beaucoup aidé cette femme, donc du coup, elle dit non, ce n'est pas une soeur. Dis-lui de ne plus, qu'elle lui dit de ne plus passer chez elle. Et cette période-là, ma copine était en jeûne. Parce qu'elle avait remarqué que son mari se comportait bizarrement. Tu vois, quand tu es attaqué, et c'est dans ton foyer, tu as les problèmes avec ton mari, tu sens que ce n'est pas lui, mais c'est un esprit. Parce que cette femme a couché avec son mari, elle a transmis l'esprit à son mari, et l'esprit est entré dans sa maison. Laissez. Quand on vous dit la puissance, on vous dit power. Quand power rencontre power là, il y a petit power, il y a grand power. Quand m'a dit ça, je m'a dit que non, gars, that level, that one. Mm-mm.
Que tu restes, tu peux sentir qu'il y a quelque chose. Tu pries. Dieu montre la personne. Il expose la personne. Vous avez des serpents dans vos vies. Vous avez des snakes. Stéphane, on fait les lavages à distance. Tu as compris? C'est 50 euros. 55 euros. Hein. 50 euros, n'est plus, 50 euros, ce n'est plus 33 000. L'euro est descendu. Pardon. Faites votre euro la monte, pardon. Elle donne mes prix maintenant. Là, quand j'arrive en France, CFA, ça a diminué. C'est un peu la même chose en France, CFA. Bon. Avant, ils disaient 50 euros, ça me donnait 33 800. Maintenant, tu dis 50 euros, ça devient à 32 000 ou bien 30, combien de 1000. Bon, c'est plus bon. Vous devez arriver à un niveau spirituel. Et je vous dis, c'est possible. J'ai consulté une fille hier. Elle est en France. Elle me dit, papa est mort, j'avais 3 ans. Maman est morte, j'avais 5 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle a dans les quoi, 30... elle avait 9 ans. Voilà. Et elle a une tante qui l'a élevée. Elle dit que depuis un temps, alors c'est grave. Elle ne veut même plus appeler la tante. Là, elle ne veut même plus la visiter. Elle ne veut plus. Je dis que ta tante là. Vous avez des gens qui. Ce sont vos serpents. Ce sont vos Judas. Et avant. Bon, tu faisais l'effort. Voilà. Il ne faut pas quand même qu'on dise dans la famille que je suis méchante ou que je suis. Mais un de ces derniers moments, c'est là. Tu ne vas même plus vouloir les sentir. On va parler n'importe comment. Tu vas rester comme ça, tu vas sentir que la fille là. Mais mets-toi sur tes genoux. Seigneur, dévoile-moi. Montre-moi le vrai visage de la femme ici dans ma vie. Tu vas la voir dans le rêve comment elle vient pour t'étrangler. Waye, kolo koshondaraba chandalakata. Le lavage au Gabon, c'est 40 000. Les Gabonais, là, votre pays est trop cher. Bon, c'est pas cher pour moi, hein, j'arrive à survivre, mais bon. Tout au Gabon, c'est 40 000. Lavage au Gabon, 40 000. Consultation au Gabon, 40 000. Et parfois, vous n'aimez pas croire en ce qu'on vous dit. Stéphane, pour éviter que les Béninois, parce que les Béninois, là, m'ont direct, Stéphane. Voilà le numéro, c'est le 00237-693-5022-66. Le deuxième numéro, 680, donc 237-680-71-0701.
Donc, j'ai un remède contre le diabète, oui. Leïla, tu as fait un lavage au sel, après tu as vu dans le rêve que tu t'es battu contre une de tes tantes. Quand on vous expose vos gens, vous ne voulez pas croire, pourquoi? On vous expose vos gens. Beaucoup de choses se passent dans le spirituel. Hein. Je devais faire un contrat. Je suis assez signé un contrat avec quelqu'un. Non, je devais donner l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose. Il prend l'argent. Il arrive et me dit que ça ne suffit pas, qu'il faut que je remonte encore l'argent. Et quand il pensait à lui envoyer l'argent, là, ça faisait un genre. Il dit que non. Je vais d'abord, demain matin, dans la nuit, là, dans le rêve, on me montre comment l'homme l'a pris mon argent. En fait, on l'avait déjà payé, mais il est encore venu prendre mon argent en surplus. Et dans le rêve, il disait que mince. Donc, quand l'homme vient me dire qu'il n'a pas l'argent comme ça, là, c'est immense. Je me suis levé le matin, j'ai dit non, je ne t'envoie plus, je ne fais plus. On ne va pas faire. Et beaucoup de personnes ont aussi des esprits. Certains, ce n'est même pas qu'ils partent chez le marabout ou quoi que ce soit. Ils ont juste un esprit qui est très méchant. En fait, ils se laissent influencer. Donc, c'est-à-dire, la personne a la je sais pas comment peut dire, va laisser n'importe quel esprit entrer dans elle ou dans lui. Et une de mes filles, quand je suis arrivée au Gabon, elle m'a parlé d'un de ces un monsieur. Et je me rends compte que c'est un monsieur que moi aussi je connais. Et chaque fois que je traitais avec le monsieur, qu'on fait un business, je ne sais pas pourquoi, dès qu'elle veut conclure le business, l'esprit me dit ne travaille pas avec lui. Je dis mais pourquoi? J'avais conclu le business, l'esprit me dit ne travaille pas avec lui. Donc, j'ai finalement coupé tous les ponts avec le monsieur. Deux jours après, cette fille me contacte. Elle me dit, elle fait des rêves où le monsieur la poursuit. Elle fait des rêves où le monsieur la poursuit avec la machette. Elle aussi, elle avait des trucs qu'elle devait dealer avec lui. Je dis, tu sais quoi, ça fait deux jours que j'ai arrêté totalement, j'ai coupé tout contact avec ce monsieur parce que je sentais qu'il y avait un mauvais esprit en lui. Elle me dit que c'est exactement que moi-même je sentais ça. Donc, il y en a parmi vous, vous n'aurez pas besoin forcément. 53, 55, 91. Flora Lisa. Le somme 53, c'est encore le somme de quoi? 55, c'est le somme de quoi? Pardon, ne venez pas tordre mes messages. C'est ta prescription, Flora, ok? Donc, si tu réponds à n'importe qui, sachez que c'est ta prescription de Flora là-bas, hein, ok? Et quand vous venez sur ma page, je voulais poser des questions. Allez regarder les vidéos. Parce que vous êtes trop paresseux. C'est ça qui m'énerve sur vous. Vous êtes paresseux. Tu ne peux pas t'asseoir, tu prends tes mégas, tu peux regarder une vidéo. Sur YouTube, il y a les vidéos de lavage. C'est ça que vous faites, on va vous donner n'importe quoi. En tout cas, c'est bien pour vous. Il y a un degré spirituel où ce n'est même pas dans le rêve qu'on va venir te montrer certaines choses, mais tu auras un ressenti. Ou tu vas pousser pour faire un truc avec quelqu'un, ça ne va pas marcher. Tu vas pousser, ça ne va pas marcher. Après, l'espoir te dit que tu vas ressentir, tu vas entendre audiblement hein, que depuis qu'on bloque ça, on te montre que tu ne dois pas travailler à la personne. Tu ne comprends pas. Ça, c'est un autre degré spirituel là-bas. Vos habits, quand ton habit finit, quand ton habit ne te suffit plus ou tu ne veux plus, prends du pas même, j'aime même. Parce que le monde, les gens sont méchants. Ouais, Seigneur, je sais même pas pourquoi. Hein. Voilà. Parfois, les gens, c'est la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Quand tu vois que tu es l'enfant de ma soeur, tu es né quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, tu crois que tu vas partir où? Tu pars en France. Tu as rêvé que ton oncle a pris les clés de ta voiture en disant que je n'ai pas le niveau de cette clé. Après les clés de ta voiture. Il y en a que quand vous avez la voiture, ça ne leur plaît pas. Je vous dis, moi, ça ne leur plaît pas.
Tu pars en Europe, ça ne lui plaît pas. Tu veux te marier, ça ne lui plaît pas. Bon, il y a des mariages que vous allez faire seulement en catimini comme ça. Tu vas acheter ta voiture, tu ne vas même pas passer. Quand tu pars, quand tu pars chez lui, tu pars à pied. Parce que quand tu vas vouloir sortir, en rentrant là, il va sortir pour voir ça la voiture dehors. Non, elle va trouver le taxi. Ou bien tu vas dire que non, je vais marcher jusqu'en route là-bas pour prendre le taxi. Faut que dans, quand il va ressortir, il va croire que tu n'as pas eu. C'est pas n'importe qui va manger ça. Oh, on crée sa voiture. Ok, les gens sont méchants. Pour rien, people are wicked. Beaucoup de jalousie. Il y a les jalousies qui sont même entre soeurs. Il y a parfois les petites soeurs qui sont. Tu la prends. Et ma chérie, je te dépasse de 9 ans. Je te dépasse de 10 ans. Tu viens d'arriver. Je te conseille. Je te guide. Elle voit ton mari. Elle voit le bonheur dans ta maison. Le degré là. Hein. Vous ne savez pas qu'il y a certaines maisons qui sont riches dans votre famille. Ce sont vos étoiles qu'ils utilisent. Non? Quand ils voient que tu commandes un papé, c'est là, ils savent que mince. Si tu as une voiture, ça veut dire que ça va diminuer sur sa part. Ne fais pas confiance aux gens. Hein? Fais pas confiance aux gens. Sandra, hop, je ne vais pas te répondre. Tu as compris. Vous aimez trop, vous avez trop de bêtes questions. Vous voulez me faire changer de sujet parce que vous voulez qu'il réponde à votre question. Je ne réponds pas. Vous avez compris. Il y a les jours, c'est comme ça. Il y a les jours, je suis du mauvais poil et puis je ne veux pas répondre. Donc, votre bonté n'est pas toujours. Bien vue par les gens. Et je vous dis, j'ai parlé de sœurs tout à l'heure parce que certains d'entre vous, les membres de votre famille n'ont pas encore, certains membres de votre famille ne sont pas encore allés peut-être pratiquer, mais cette jalousie, c'est quelque chose, un esprit que tu peux ressentir. Tu peux sentir. Et quand tu restes comme ça, quand cette sœur tape, avant tu disais toutes les choses, mais dans les derniers jours, c'est là, quand tes questions, elle t'appelait même, oui, ça s'est passé comment? Tu n'as plus envie de lui dire. Il y a quelque chose en toi qui te dit, tais-toi. Peut-être parce que quand tu lui disais, après, pas raconter à toute la famille. Et il y a même des gens que quand ils connaissent tes choses, ça ne marche plus. Bonjour, Rodrigue. Bonjour, le roi Rodrigue. Tu peux aimer quelqu'un, mais ce n'est pas parce que tu l'aimes que tu vas aller tout lui dire. Et il y a des gens dans votre famille qui ont un cœur tellement mauvais. Je vous dis, ils sont mauvais. Ils prétendent comme ils peuvent, mais ça ne marche pas. Et quand ils essayent de vous... ils viennent devant toi et ils prétendent, non. Tu as envoyé l'argent à la fille 50 fois pour qu'elle fasse un business. Ça ne marche pas. 6 mois plus tard, c'est toi qui prends encore l'argent, tu donnes, que ouvre telle chose, tu gênes. Ouais, ma soeur, je t'aime tellement, ma soeur. Écoutez, il y a certaines soeurs que vous devez laisser comme ça là. Oui, dis-moi, hurrah, ça parle à quelqu'un, ça a parlé. C'est pas toutes les soeurs qu'on va aider tout le temps. À un moment, tu te fatigues aussi de ta soeur, tu dis que c'est bon. Est-ce comme ça là? Parce que le cœur de la personne n'est pas blanc. La personne a un cœur noir. L'astuce de l'œuf et sur YouTube. Arrêtez-moi votre truc là. Oh shit. Je vais vous bloquer. Hein. Je vais vous bloquer.
aller sur YouTube. Le truc, c'est que quand tu regardes une astuce toi-même, l'esprit va t'inspirer comment faire la chose. Le nom sur YouTube, c'est le même nom que sur Facebook. Va là-bas, tu regardes dans les vidéos. Et tu peux arriver là-bas, tu tombes plutôt sur une autre astuce. Dieu te montre plutôt une autre chose. Arrêtez d'être des dépendants spirituels. Oh. Vous aimez trop la dépendance spirituelle, trop. Vous me connaissez même. Je bloque moi les gens sur ma page. Ça ne va pas être bloqué, moi. Tu ne peux pas aller chercher, tu le laisses. C'est pour ça que vous faites des béninois, vont vous contacter, ils vont vous dire n'importe quoi. Ah bon, ah bon, dis-moi. Ah bon, ah bon. On m'avait arnaqué. On m'a arnaqué. N'aimez pas chercher le savoir. Parfois les ancêtres veulent vous dire quelque chose, mais vous êtes trop concentré sur plusieurs choses. Vous vous préoccupez des choses qui ne vont pas vous aider spirituellement. Ils ont un message à vous donner, mais vous êtes encore sur les petites choses. C'est comme ça que fin de journée, zéro franc est entré dans tes poches. Et toujours au même endroit, on se moque toujours de toi. Ce qui te préoccupe, je vais savoir ce que la femme de mon oncle. Posez-vous les bonnes questions. Léila, même toi, elle était bloquée. Elle va bloquer you. Elle vous dit, moi, il n'y a pas besoin de vous. Elle vous dit, moi, cash. Si elle ne veut pas aller regarder les vidéos, elle laisse. Elle me l'a bloqué. Si c'est Estelle Mbala, elle est bloquée déjà, elle est partie. Le numéro, c'est le 00237 sur WhatsApp. 693-50-22-66. Mes discussions sont payantes. Je ne parle pas gratuitement. Vous m'écoutez gratuitement, tu viens regarder mes vidéos. D'accord, vous pouvez dans vous. Il y en a qui veulent les lectures destinées, il y en a qui veulent les consultations, il y en a en fonction de ce que l'esprit demande. Si tu as le cœur assez pur, on peut parler rapidement. Il y en a qui n'ont pas le cœur pur. Quand vous venez comme ça, là, ça ne marche pas. Bon, à toutes les méchantes femmes qui sont dans ce direct, là, vous venez dans mes directs pour regarder les trucs, pour aller faire la méchanceté aux gens. Arrêtez ça. Vous avez suivi, non? Il y en a parmi vous, vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Donc toi-même, tu sais, parce que tu es jalouse. Je ne sais pas pourquoi. Tu es jalouse. C'est dans ton cœur. Tu dois arrêter la jalousie. C'est pour ça que tu es aigri et tu es seul. Tu es aigri. Et il y en a que vous êtes abonnés chez les marabouts depuis, ils ne vous ont jamais expliqué tout ce que j'explique maintenant. Vous venez sur ma page, je fais quoi? Allez voir vos gens là, allez les voir.
Nous allons encore utiliser ce que j'ai dit pour aller faire mal aux gens. Ça va pas marcher. Inogowaka. Inogowaka. Donc j'ai précisé que quand tout va bien dans ta vie, ce n'est pas le moment pour toi de te reposer. Quand tu restes comme ça, tout va bien. Hein? Il faut toujours avoir tes routines spirituelles que tu fais. Toujours. Le numéro c'est le 237-680-71-0701. 237-680-71-0701. Le deuxième numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Bonjour la reine Eloken. Si quelqu'un est connecté à mon direct, il a le mauvais cœur, ça ne va pas t'aider. Seulement le fait que tu écoutes ma voix dans ta maison. C'est ce que ma voix fait. Ma voix amène ma présence chez toi. Tu as compris? Donc si tu es méchant, ne passe plus sur mes vidéos. Parce qu'il est béni la nuit, là, tout les trucs que tu fais aux gens de mauvais, là, je vais arrêter tout ça, là. Je te préviens. C'est super faux si tu lèves tes enfants. Sky Californe, tu connais pas la méchanceté des gens, mais ah, souvent ils restent comme ça là quand ils voient les témoignages des gens. Les gens qui partent dépenser pour bloquer d'autres personnes, tu ne sais pas ça. Souvent ils viennent me tenter, non? Souvent ils viennent me tenter que oh, est-ce que tu bloques? Je veux qu'elle souffre. J'ai dit, hey, pardon, je t'ai trompé dans toi, passe. Comment faire pour qu'elle souffre? Comment j'ai dit mon fils qui t'avait ça? Je suis pas là. C'est vous, là, souvent, qui encouragez les gens. Là. Je mets la souffrance sur quelqu'un, pourquoi? Elle souffre pour le mal qu'elle m'a fait. Tu as d'abord fait quoi pour qu'elle te fasse du mal? Lady Josiane, va regarder la vidéo. Il y a la vidéo sur YouTube. Je vous ai tout dit d'aller vous abonner sur YouTube. Il y a la vidéo sur YouTube où je parle de ça. I put my hands around, show you how strong I am. I'm unstoppable. I'm a pusher with no brain. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Bon, je précise que la promotion pour le lavage des enfants, on a étendu ça sur 2 semaines. Donc, à partir de demain, enfants, c'est de 0 à 18 ans. Ne m'amenez pas les enfants de 25 ans ou 30 ans, s'il vous plaît. Quand tu n'as pas la paix à la maison, il y a beaucoup de choses que tu dois faire dans la maison. Il y a des trucs que vous devez brûler, laurier, coule de girofle. Chaque matin, tu brûles. Chercher le charbon, bien tu me fais le feu, tu mets le charbon, tu brûles ça à la maison, bien même. En brûlant, tu parles. Tu parles. N'importe quoi, c'est n'importe quoi ici, ça sort. Il y a des gens qui viennent vous visiter, ils viennent pour lancer leur boule là, leur truc. C'est comme s'ils viennent mettre la grenade dans ta maison. En fait, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Donc j'ai terminé, je vous ai donné les instructions. Ne dormez pas, quand tout va bien, ce n'est pas le moment de se reposer. Une promotion pour le lavage des enfants. 1, 2, 3 enfants, c'est 15 000 par enfant pendant 2 semaines. 4, 5, 6,
Il y a même une femme que j'ai consultée, elle avait 7 enfants. Elle a accouché 7 enfants. Donc, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas combien d'enfants, même les enfants de vos frères, de vos soeurs, là. À partir de ça, c'est 10 000 par enfant. Voilà. Enfants de 0 à 18 ans. Donc, peut-être même des enfants de. Ils quittent examen, comme c'est la rentrée. Prenez les kits examen, vous faites. Parce qu'il y a des trucs dedans que les enfants doivent boire, il y a des huiles qu'ils doivent utiliser. Et ce qu'ils boivent là, ça enlève. Parce qu'il y a des gens que vous avez envoyé les enfants en vacances chez eux. Vous ne savez pas ce qu'on a fait à vos enfants là-bas. Donc, prenez le soin de préparer vos enfants. Oui, l'encens ne blague pas. L'encens, c'est pas la blague. L'encens, c'est pas la blague. Les mauvais esprits n'aiment pas. Les mauvais esprits n'aiment pas. Une journée doit pas passer sans que tu brûles l'encens chez toi. Matin, soir. Matin, midi, soir même. Ne regardez pas le prix. Parce que vous pensez, oh non, tu vois, ça va coûter ceci. Tu veux commencer à économiser. Quand l'énergie est bonne chez toi, imagine peut-être, voilà comment je fais pour acheter mes choses spirituellement. Si cette chose coûte 20 000, sans la chose, je suis fatigué, j'ai pas envie de travailler. Je perds, supposons. Je ne vais pas dire que je perds. Parce que quand tu ne gagnes pas quelque chose, tu ne sais pas combien tu aurais gagné ou combien tu as perdu. Donc sans la chose, mon revenu, c'est dans les quoi 300, 400 000 au mois. Je dépense 50 000, j'achète la chose. Je commence à utiliser. Par jour, ça m'ajoute 100 000. Donc, quand tu veux faire un investissement, comme les Américains, les Anglais pensent généralement comme ça, quand tu veux faire un investissement, vois plutôt ce que ça t'apporte. Et si ça me donne 50 000, 100 000 la journée, et que je dépense 50 000 pour acheter ça, mais attends, 50 000, là, j'ai le retour de 50 000 pour les deux premiers jours. Ça veut dire que les 28 jours qui restent là, chaque jour, 50 000, 50 000, tu vois un peu. Il y a des gens qui ont 50 000 par jour. Hein. Il y a des gens qui ont 100 000 par jour. Comme ça, tu peux facilement acheter tes produits. Bon. Mes riches gens et mes riches gentes. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Dans la paix du Seigneur. Bénissez-vous. Bénissez les gens. Bénissez les gens. Ayez le bon cœur sur les gens. Quelqu'un t'a fait du mal. Bénis-le, il part. Bénis-le, il part. Il baisse à ma chance. Que ta bouche ne soit pas pour maudire les gens. Très important. Très, très important. Je sais que vous n'aimez pas ça. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Libère-le et pas. Chasse ses ombres de ta maison. Brûle l'encens, tu ouvres les portes et pas. Et tu le libères. Tu vois, moi, ta vie va avancer. Bye bye.